Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas comme pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Tuffy Tuff et je vous propose une émission qui s'appelle Juste une vie. Alors pour rappeler le principe, je prends un jeu auquel je ne me suis pas entraîné avant, alors soit un jeu neuf, neuf pour moi, soit un vieux jeu, un jeu qui date, que je n'ai pas touché depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je me mets au niveau de difficulté le plus élevé et on voit jusqu'où je vais avec seulement une vie. Alors je coupe les vidéos en 20 minutes. Si je suis vivant au bout de 20 minutes, je fais une deuxième vidéo dessus. Si jamais je meurs au bout de 10 minutes, je vous mets 10 minutes d'écran noir. Comme ça, sur YouTube, il y a toujours affiché 20 minutes et vous ne savez pas si je meurs ou pas dans cette vidéo. Bref, et aujourd'hui, on va jouer à I Am The Live. Alors, jouer une nouvelle partie. Et ben, on va se mettre en mode survie. C'est parti. Un jeu qui était sorti sur les plateformes de téléchargement il y a de ça au 2000. 11, pour pas dire de conneries, je sais plus. Et donc c'est parti, c'est parti. Alors techniquement il était déjà pas fameux fameux à l'époque. Donc là on va voir, il a dû prendre un petit coup dans la gueule quand même depuis. Son ambiance post-apocalyptique, pardon. Oula. Oula, j'en chie à dire des mots aujourd'hui. Un jeu Ubisoft, je sais pas si je l'avais dit. Et on s'immerge un peu dans l'ambiance. Bon, depuis, dans ce genre de registre, il y a eu The Last of Us, j'allais dire The Walking Dead. Oula. Il y a eu The Last of Us. Donc. Pour moi, l'un des défauts du jeu, c'était quand même son héros qui est pas du tout, mais pas du tout charismatique. Mais bon. C'était un détail, c'était un bon petit jeu. C'était pas un grand grand jeu, mais c'était arrangé, vous savez, dans la catégorie des jeux moyens, ceux qui sont. Ouais, il y a des choses intéressantes. Mais des fois, techniquement, c'était assez galère. Qu'est-ce que tu nous racontes? Parce que je me souviens plus trop de l'histoire. On n'ira pas jusqu'au bout, ça c'est sûr et certain. C'est des fois vous aviez tendance à mourir dans le jeu, pas à cause que vous êtes mauvais. Non, 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 juste parce que le jeu ne comprenait pas ce que vous êtes en train de faire. Surtout dans les phases d'escalade. Il y avait 2-3 moments où c'est à se tirer les cheveux, mais méchamment. C'est à faire voler les manettes. On va aller voir comment ça en vide, mon jeune ami. On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que je peux couper ça pendant que tu racontes ta life? Ah, bah ça commence. Voilà, donc en gros, il y a eu une catastrophe qui a ravagé tout le pays. Regardez-moi ça. Ouais. Je n'aimais pas ce perso. Je le trouvais laid, quoi. Je le trouvais laid. Allez, c'est parti. Comment je cours un peu? Ouais, faut pas trop bouffer la barre d'endurance. Vous allez voir qu'elle nous sera très très utile. Je sais que je peux courir. Je me souviens de la touche. Allez, let's go. On va commencer à escalader. C'est beaucoup, beaucoup d'escalade dans le jeu. Phase d'action, je pense que c'est. Ouais, c'est ça. Hein. Hop, hop, hop. Allez, en escalade. Oui, ouais. Allez, vas-y mon pote. Vas-y, traverse ça, traverse, traverse.
Non, 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 ce que je vous disais, voilà. Ok. Ah, la barre d'endurance se remplit à nouveau. Donc on va pouvoir. On va escalader les choses. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Ok. On descend, on descend. J'ai vu que c'était par là. Voilà, et on se laisse tomber, ok. Non, bah on va bien viser parce que. Ce serait con de perdre maintenant. Alors, où est-ce que je vais? Dans ce merdier, dans ce beau bordel. Je vais sauter là, moi. Apparemment. Ouais, c'est ça. Hop, ok. Sur ce, ok, on va monter là. Eh ben, on va monter. Alors, où est-ce que. Eh ben, tout de suite ici. Ça me semblait haut. Bah, non, non. C'est suffisant. On peut sauter, mais ça bouffe bien la barre d'endurance. Ah, cette barre. Quand vous faites ce jeu, vous avez toujours la gueule dessus. Hop, et on va. Voilà. Ok. Eh ben on va redescendre par là. Monter par là. Alors le rythme du jeu était assez lent. Assez lent. Je vais aller jusqu'au bout là, moi. Allez, speed, speed, speed. Où c'est pour. Ah, ça doit être. Ok, et là, vous voyez que ma barre s'est bouffée, donc elle ne sera plus remplie en entier quand vous utilisez le dernier effort, les efforts extrêmes, voilà, comme ils appellent ça. Donc on va récupérer un peu d'endurance. Alors qu'est-ce qu'on a dans le sac? Une boîte de conserve et une bouteille d'eau. Alors endurance plus, capacité d'endurance plus. Ok, donc on va bouffer ça, parce que ça me redonnerait de la santé en plus. Donc je m'en fous. Ok. Celui-là, c'est parfait. Voilà. Où est-ce que je vais maintenant? Petite cinématique. Ah bah on va sauter là-dessus. Ça a l'air de nous amener en bas. Voilà. Ok. Normalement, même avec des gants, tu finis avec les mains complètement cramées là. C'est pas possible. Bouteille à récupérer? Non. Allez, est-ce qu'il y a de moi ça? On va finir par traverser ce pont. Quand même, avant la fin de cette vidéo. On va courir un peu, tiens. Ça fera pas de mal. Je vais peut-être pas courir ici, par où je passe. Camion? Là, le truc, il est à 20 000 mètres. Ouais, bah, camion. Merci de l'indication. Merci, merci. Ok. Voilà. Oula. Va pas falloir se. Y a moyen que je me merde là. Y a moyen que je me merde. Ok, quand l'ombre est sur le truc, je me lâche. Voilà. Ok. Continuons d'avancer.
Je vais vérifier s'il n'y avait pas une petite bouteille à choper. Apparemment non. Ça me paraît loin ça. Est-ce que je cours? Non, ok, il saute direct. Je voulais prendre de l'élan. Mais je crois pas qu'il y ait vraiment de différence quand on saute avec de l'élan et sans élan dans le jeu. Je sais plus. Mais je me vois pas réfléchir à ce genre de saut de temps en temps dans l'aventure, donc. Donc non. Il faut que je glisse. Il faut que je glisse. Bon bah allez hein. Ah non, c'est bon, ça descend. Ça aussi jusqu'au bord de la pente descendait. Ah, je savais bien qu'il y avait des glissades dans le jeu. Et bon, on va essayer de pas se merder. Non, ok, là il n'y a pas de risque. Plus tard dans l'aventure, il y aura du risque, il y aura du danger. J'espère que je pourrai vous montrer ça. Je vais pas crever bêtement avant. Monte plutôt au lieu de faire le tour. Voilà. Ouh, tu m'as foutu les jetons avec ton saut. Non mais monte comme il faut. Ok. Voilà, ça passe. Eh ben on va aller dans les égouts. Il n'y a pas une bouteille, un truc qui est planqué là. En même temps, qu'est-ce que foutrait une boîte de conserve là-dessous? Ou une bouteille d'eau? Ah si, tiens, il y en a une là. Non. Non, c'est que dalle. Oula, non, c'est que dalle du. C'est que dalle, que dalle, que dalle. Bon. Bon, allons dans les égouts. C'est par où? Ah, ça c'est des fins de niveau. Voilà. Zéro tentative. Oui, parce qu'en plus. Comment ça s'était découpé ça? En gros, vous récupérez des caméras sur votre trajet. Et tant que vous avez des caméras, vous recommencez au dernier checkpoint que vous avez vu. Si vous n'en avez plus, vous recommencez le niveau depuis le début. Ce qui ajoutait un peu de difficulté par endroit. Mais t'es sympa. J'ai un bon souvenir hein, de jeu. C'est pas parfait, parfait, mais. Mais c'était bien. Allez, les temps de chargement sont un peu longs là. Allez, j'ai envie de jouer. Trouver le chemin vers l'appartement. Eh ben, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Ça doit être par là. Oh, ok. Bon, t'as une arme. J'en ai pas, j'ai pas de balles. Voilà, salut! De temps en temps, vous allez croiser comme ça des survivants qui auront peur de vous, carte mise à jour. Ah oui, exact, ils vont afficher les rues, les routes barrées, tout ça. Les rues bloquées. Les rues bloquées, les rues bloquées. Bon, montons là-haut. On monte. C'est une heure que j'appuie sur le bouton. Qui a parlé? Arrête de t'agiter. Ah, ils sont en train de massacrer un gars. J'arrive les mecs, j'arrive. Ah bah il se barre. Il se barre, il se barre. Bon, de toute façon on va en croiser des gens. Des gens qui ont les jetons. Qui veulent juste se protéger et des salauds qui essayent de vous faire du mal. On va en croiser pas mal. Allez, allons-y, on va courir un peu. Tiens, bah, je vais récupérer une tentative. Bien sûr, moi, si je meurs, même si je ne perds qu'une tentative, c'est la fin. Ou à moins que je fasse avec les tentatives. Oh non, ce serait pas. Ce serait pas juste une vie. Ouais, t'as pas ta machette au début de l'aventure? Recule. Ah là, et là je vais lui dire. Ah, c'est lui qui a la machette qu'on récupère. Ok. File-moi ta machette, j'en ai besoin.
Parce qu'on le voit à peine tomber avec sa machette et on la récupère. Ok. Ok. C'était bien fait ça. Allez, on va ouvrir ça. Mince. Alors R1. Ok, oula. Alors face à plusieurs ennemis, ne dégainez pas. Laissez approcher et attaquer par surprise avec carré. Ok. L1 pour effrayer un ennemi. Hop. Je t'éclate un peu ta gueule. Oula. Ok, et il y avait des petites confrontations comme ça. Aïe. Oula, 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 oula. Calme-toi, toi. Calme-toi. Lutte à mort. Ok, R1. Allez, R1 comme un bourrin. Ah, là, ça passe. Personne d'autre? Attends, je me suis pris un bon coup là quand même. Je l'ai pas vu arriver sur le côté cet enfoiré. Salaud, salaud. Bon, et j'en suis déjà à 16 minutes, n'empêche. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Triangle. Appartement, il est là. Donc, je vais pas du tout dans le bon côté. On va quand même fouiller s'il n'y a pas un petit truc pour se soigner. Là, je vois un truc qui brille là-bas au loin. Qu'est-ce que c'est? Antalgique. Bon, ça, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas un qui me tombe sur la gueule. Normalement, il parle, hein, il surgit jamais dans ce jeu. Allez, avançons. Ouvrons cette porte. Qu'est-ce qui nous attend derrière? Bon, prends ton temps surtout. Hop, ça a l'air de briller aussi sur le. Voilà, kit de premier soin ramassé. Alors, est-ce que je me soigne tout de suite ou pas, moi? Ouais, là, ça me soigne tout et là, ça me fait récupérer en plus de l'endurance. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Alors, eh ben l'appart est en face. L'appart est en face, mais bien sûr la rue est bloquée. On va aller fouiller par là, s'il n'y a pas quelque chose. Non, rien. Ah si, hop, petite boîte de conserve. Un soda. Soda, c'est quoi? C'est que de l'endurance. Ouais. Et c'est même pas de l'endurance quand on a bouffé la barre. C'est que de la petite endurance pour recharger. Ok. Et ben on va cavaler un peu. Allons dans l'autre ruelle. Qu'est-ce qu'on a? Bonjour. Ah bah lui c'est celui qui s'est fait tabasser. Ouais, alors d'habitude je les aide. Je crois qu'on les quand on les aide, ils nous filent une tentative, non, c'est pas une histoire comme ça. Alors là j'ai peur de dire une grosse connerie, donc c'est entre guillemets, mais là je vais peut-être en avoir besoin pour moi le reste de l'aventure. Je suis en juste une vie, madame, comprenez que je suis obligé de vous abandonner, il va mourir. Salut! Elle me dit rien. Oui, voilà, je vais aller chercher de l'aide. C'est par là. Ok, il y a quelqu'un là. Oui? Non mais je dégage, je dégage, je dégage. Ouais, c'est bon.
Alors est-ce que c'est par là? Comment je zoome? Voilà. Ah, je pense que c'est bon là. Je pense qu'on va pouvoir rejoindre l'appartement. Et c'est bon. J'avais pas vu l'heure. J'en suis à 20 minutes. Putain, déjà. Déjà. Et ben voilà, on est devant l'appartement. Alors qu'est-ce qui va nous attendre dans cet appartement? Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Merci à vous si vous m'avez suivi jusque-là. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous. Bye bye.